Bonjour, dames et messieurs, bienvenue en 2023 dans la meilleure émission locomotive de People Actualité partout et c'est Fafa. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en 2023. Je vais tout d'abord souhaiter bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis les quatre coins du monde. Restez connectés et que cette nouvelle année vous apporte santé, surtout la santé, la prospérité, plus de grâce dans vos activités. Et foule de bénédictions, et comme on le dit chez nous, foule de douaou. Recevez votre humble serviteur que je suis, votre animateur émérite, Serge de Fallé. Alors, je vais laisser aussi le soin à ma binôme Chola de vous présenter aussi ses meilleurs voeux. Alors Chola, bonjour. Ouais. Bonjour mon défalé, comment tu vas? Ça va super bien. Mes voeux les meilleurs. Mes voeux les meilleurs à toi aussi. Meilleurs voeux à tous les téléspectateurs d'Ivoire TV Musique. Et voilà. Surtout, ce que je vous souhaite le plus, hein, c'est la santé. Avec la santé, on peut tout accomplir. L'argent, ça vient après. Voilà. Je pense que tout est dit. Avec la santé, on peut tout accomplir. Alors, pour démarrer cette année, nous démarrons cette année en trompe avec une grande vitesse. Dames et messieurs, aujourd'hui, pour l'ouverture de l'année 2023, dans ce premier Fafa, nous recevons un artiste, le DJ Congélateur. Bonjour, DJ Congélateur. Bonjour, papa. Comment va l'artiste? Oui, va bien. Ah, alors Chola, oui. L'artiste est parmi nous, DJ Congélateur. Exactement. Hein? Bonjour, comment tu vas? Oui, il va bien, maman. Très bien. On est très heureux de te recevoir ici. Bienvenue dans Fafa. Oui, bienvenue, Fafa. D'accord. Et puis, on espère que tu vas nous livrer tous les secrets de DJ Congélateur. Oui. OK. Alors, Chola, DJ Congélateur, dis-nous. Ouais. En toi-même, dis-nous. Tu fais quel genre de musique? C'est coupé, décalé, folklore, rap, ivoire ou bien musique baoulée? Parce qu'on ne sait pas trop ce que tu fais. Bon, je suis un comédien, et puis je suis un artiste dictionnaire, et puis je suis un artiste coupé décalé, et puis je suis un artiste zouglouman, et puis je suis un artiste voyeur. Voilà, il fait tout. Ah. Mais DJ Congélateur, tu peux pas faire tout? Non, il peut. Ah, comment tu peux? Jean, tu as trop de talent. Bah, il y a trop de talent. C'est ça. Il est trop force. Voilà. Il dit la trop force. Donc, tu fais comédie aussi, tout ça? Oui, moi, il est prêt que nous bat même. Parce que c'est trop fort. Ah, bon, dis-moi, congélateur, quand tu as commencé au début là, on te voyait ta guitare baoulée, ta petite guitare, tout ça. Mais guitare a disparu, tu as lunettes de boucantier, tu portes ton manteau, cheveux jaunes. Il porte les vestes en cuir maintenant. Les vestes en cuir. Tu es devenu boucantier maintenant ou bien c'est quoi? Ça va aller. Non, on sait, nous ça va, ça va déjà. Il n'y a pas de problème. C'est pour toi, nous on veut comprendre. Parce que ton changement là, souvent nous on est étonnés, on ne comprend pas. C'est ça. D'accord. Commencement, et jouer guitare, et c'est au village, à Pobinou, Bodokro. Voilà, ah, mon vrai village là, c'est à Pobinou. Voilà, c'est Namouenou. Ah, Namouenou? Oui, Namouenou. Oui, Namouenou. Namouenou, oui, chez nous les Baoulés. C'est campement quoi? C'est quoi? Campement. Ah, campement des Baoulés. Oui, mais c'est où? C'est à Boaké, c'est à Toumoudi, c'est où exactement? Bon, quand tu as dépassé à Abidjan, et puis tu vas au camp, ah ouais, les bois qui a pas de solon. Quand avec bois qui a pas de quoi, quand on a pas de boutro, quand tu pas de boutro. À travers ces diables, on a pas de boutro. Mais tu, sur la faute traduire. Oui. Il n'est pas 18h encore. Quand tu pas de là, il est 12h. Hein? Ouais. Quand tu pas de boutro là, et puis tu coupes bois qui. Quand tu as découpé bois qui. Et puis tu vas. Parce que Beto Boaké n'a pas de Botro, n'est-ce pas? Ouais. Non, tu ne pas Botro. Tu ne pas Boaké. Boaké, diable, Botro. Quand tu as tout Boaké. Quand tu as tout Boaké. Et puis tu tout Diabo. Diabo, n'est-ce pas? Quand tu coupes Diabo. Quand tu Diabo, et puis tu tout Botro. Après Botro, tu sens dans nos parties là-bas. Tu sens dans Chine là-bas. Je vois. Voilà. Je vois où ils sont. Ça, la route là, c'est Bribisa. C'est côté à gauche. À côté de. À côté. La route là, ça Bribli quoi. Ça Bribli comment? Ça fait comment?
C'est comme ça. Je sais pas comment expliquer. Ça veut dire la roue là, ça, voilà. Ça a démarré, on dirait serpent. Voilà, ah, il veut dire okay. que c'est. Voilà, c'est pas, une ligne linéaire, tu vois. Donc, ici là-bas, pour jouer, pour un joueur faire son baoulé, il dit c'est pas plaisir, c'est ma échine. Non, c'est pas ça. C'est pas plaisir, c'est ma échine gomme. C'est pas plaisir, c'est ma chingom. J'ai dit que c'est pas plaisir, c'est ma chingom. À tous mes fans, c'est ma chingom. Pele, 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 pang, pang, pang. Pele, 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 pang, pang, pang. Pele, 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 c'est ah, ça. Les gens se moquaient de toi. Ouais. Les gens les moquaient. Moi, je suis devenu mocassin même. Donc, j'ai dit à les gens que tout ce qui est fait là, ultimement, c'est pas facile que c'est comme ça à réussir. Tout ce qui fait est dur. Voilà, tout ce qui est fait, Dieu est dedans. C'est difficile. Donc, vous me moquez, c'est pas plaisir que tu es maïs chingon. Ça veut dire, ultimement, que les gens doivent dire à l'oua dit chingon ça. Voilà. Chien mange chewing gum. Ouais, chaud là, faut parler. Tellement c'est chaud là, chien puis... mange chewing gum. Ah, tellement c'est chaud. Chien mange chewing gum maintenant. C'est pour ça que c'est pas plaisir que chien mange chewing gum en fait. Voilà, quand tu vois chien mange chewing gum, c'est difficile. Parce que c'est trop chaud. Voilà. C'est trop chaud, on dirait fesse est chaud. Fesse est chaud. Fesse des mécaniciens et travailler dedans, c'est chaud. Aïe. Fait ou bien fesse des mécaniciens? C'est fait ou bien? Non, c'est fait. Comment fesse? C'est fait. Quand tu voilà. dis fesse des mécaniciens? C'est fait. C'est fait, les mécaniciens, je suis trompé, il a dépassé le corridor. Non, c'est pas au moins. Si tu avais dit fait, tu veux faire les mécaniciens. Il dit là, dépassé le corridor. Bon, congélateur, on va commencer par le début. Voilà. Hein. Donc, tu nous as déjà dit que tu es originaire de Boaké, après Boaké et tout ça. À l'état civil, c'est quoi ton vrai nom? Odouman, mes français. Bon, je m'appelle Méflemke Boukouakou Elvis. Brou Kwaku Elvis. Voilà, Brou Kwaku Elvis. Pareil, mon papa. Elvis Presley. Presley, là, c'est quoi? C'est une ancienne star d'avant, là. Il porte lunettes. Ah. Blofouet. Blofouet, une ancienne star, Blofouet. Ouais, c'est un maison. Elvis Presley. Ouais. Non, moi, c'est pas Elvis Presley. Ça veut dire, moi, c'est Elvis Bauli. Pareil, Tini Bauli. C'est pas Elvis Presley, là, c'est pas mon Tini. C'est un américain. Toi, c'est Elvis Bauli. C'est américain là-bas. Mais Elvis, ça, c'est le nom des Américains. Comment toi, tu es quitté au pays pour le nom d'Elvis? Moi, c'est Bauli. Qui t'a donné le nom Elvis là? Bon, c'est mon papa. C'est que lui connaît le gars. Il s'est inspiré d'Elvis Presley. Il s'est inspiré d'Elvis Presley. Voilà. Parce que Elvis, c'était une grande star. Hein. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on t'a donné son nom. Toi aussi, tu as été devenu grand star comme ça. Hein. Oui, c'est ça, Lévi. Ah, quand mon papa m'a couché, moi là, il a couché, moi, avec mon nom, Elvis. Donc, comme moi, il a coupé mon cadre, il a fait l'artiste. Je suis l'artiste sans tête. Chantait. Donc, c'est ça écrit Didier Congénateur, 14 dit dans les couleurs de Yorobo. D'accord, ok. Mais il paraît que tu es très connu dans ta région, hein. Tu es une star là-bas. Pour pas parler maintenant, quand je suis connu partout dans le monde entier. Je suis connu, mais je suis retenu connu encore. Quand tu es fier de bio, ok, puis ça. Non. Faut pas mettre ça là-dedans. Fier de bio là. Moi et puis Lila. Quand tu es lutté, puis ça. On est jumeaux. Jumeaux comment? On est des jumeaux quoi. Est-ce qu'il est baoulé? Il vient de ta région. Il n'est pas baoulé? C'est pas baoulé, mais c'est même cola. Hein. Tu vois, non? C'est même cola. Mais qu'est-ce qui vous rend jumeaux? Ça veut dire, nous là, on est grand titre de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, quand on parle là, pour faire des biens là, on a gagné des. Pour faire des biens là, c'est pour. Bon, entre c'est ton jumeau, pour toi, le qui est plus fort? Moi, je peux faire des biens. Ouais, qui est plus fort? Qui? On ne sait pas qui est fort que moi. Donc, tu es plus fort que moi aussi. Tu es plus fort que faire des biens? Moi, bon. Il n'est pas fort que lui. En temps, lui aussi n'est pas fort que moi. Voilà, nous deux, on n'est pas fort que nous deux. Donc vous êtes à égalité. On est égalité. Mais pourquoi il ne devait pas t'amener au Maroc? Hein? Il devait t'amener au Maroc, mais apparemment, il t'a doublé. Ouais. Et on te demande si tu partais au Maroc, est-ce que tu allais revenir? Toi, tu dis non. Peut-être non, que ça voulait ça, il t'a doublé? Non, Lévi. Affaire du Maroc, là. Moi, là, je suis congélateur DJ. Grâce à Arafat DJ, Daichi. C'est ça, moi, je suis devenu artiste là. D'accord. Parce que si Arafat n'est pas mort, moi, je ne devenu pas artiste. Ah, donc ton succès là, ça repose sur le décès d'Arafat, quoi. Voilà. Et pourquoi? Il était au village, il travaillait au champ. Il t'a tout ça, et pour mon fils. Il va au champ. Voilà, j'étais baissé, quoi. Il a laissé la machette. Voilà, t'as dit tout baissé, quoi. Ouais, tout baissé. Donc,
je suis au village, je suis devenu champ de Baoulé. Mmh. Voilà, donc, j'ai travaillé au champ de Baoulé. Mmh. Donc, les jours, un jour, j'ai attendu à Bodokoro là-bas, les gens prélaient et regardaient la télévision. Là. J'ai dit, qu'est-ce qui est passé? Mmh. J'ai parti enlever ma tête là-bas et voir, ils sont en train de jouer, sont de mon couleur, il y aura bon partout. Et là, il dit, à la fin, on l'a gagné ou bien. Mm-hmm. Il a gagné son rivalité ou bien. Mm-hmm. Il demandait ça, on dit, ton Yorobo est mort. Donc, ça lui fait trop mal. Il a commencé à prêler, Zoukan, et prêler. Et puis, Didier était à côté de nos villas là. Mm-hmm. Didier là, s'appelle Jean. Jean, pourquoi? Mm-hmm. C'est mon bon Didier qui est là. Quand il promenait pour jouer. Dans la région? À Rémison, mm-hmm. il prend moi pour suivre derrière lui. Mm-hmm. Donc c'est mon Didier, mon bon Didier qui est là, là il ne garde pas son nom. Il s'appelle Pokwe. Donc un temps, donc il dit, il est parti, il dit Jean, pardon, s'il vous plaît. S'il te plaît, mon collègue Yorobo a décidé de la mort, donc pardon. Faut m'aider, faut mettre un peu de musique. Il a souhaité bonne condoléance pour maman Tina. Mm-hmm. Ça veut dire, il a dit mes condoléances, à tous les Chinois. Chinois. Mm-hmm. Donc il a commencé, il a mis beat là, il a attrapé Didier Léo, son beat là. Bara a commencé là. Et puis son à côté. Et puis, mon gauche là, son là, ça vient un peu. Hey, yara, hey. Ça vient pas fort, ça sort pas, mais ça vient dans mon gauche. Hey, yara, hey. Je suis inspiré. Tu es inspiré, quoi? L'inspiration est venue. Je suis inspiré. Inspiration. C'est ça. Continuons. C'est ça. Ici, à séparation. C'est ça, c'est mieux. Mm-hmm. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est ça. Et puis, c'est venu en même temps comme ça. Donc, en même temps, Sean est venu dans ma gauche du camp et puis elle crie. Ils ont tué mon collet. Mon collet, il y a un robot. Ils ont tué mon collet. Mon collet, il y a un robot. Ah, il y a un robot. Tu m'as laissé partir. Ça veut dire qu'il n'est pas dû le trouver là-bas. Mais il m'a laissé pour partir, ça me fait tout mal. Mais pourquoi tu dis que tu as laissé pour partir? Tu dis que ça n'est pas dit que tu allais trouver là-bas. Non, moi, si tu as laissé pour partir là, fallait. Si ça te fait trop mal, même tu peux le rejoindre. Non, ce n'est pas affaire de rejoindre. Non, il peut me dire au revoir qu'il s'en va. Quand même, il te connaissait de son vivant. Vous vous êtes déjà côtoyé, vous êtes déjà vu. Il ne connaît pas mon vivant. Donc le problème, c'est lequel? Il ne te connaît pas, tu dis que. Si tu es trop fâché là, tu le rejoins. Non, je ne suis pas trop fâché, mais ça me fait trop mal. Bon, si ça te fait trop mal aussi, tu peux partir. Non, il ne partait pas. Ah, ouais, tu as vu des dents. C'est quand ici, maman, tu n'as pas couché l'autre. Il est prié, il faut pas. Attends, tu viens de dire quoi? Maman, tu n'as pas fait quoi? Il n'a pas couché mon collègue l'autre. Toi, tu ne peux pas faire enfant. Non. C'est que Atiba, quand tu es trop petit pour faire enfant. Oui, je suis trop petit. Dis-le au congélateur, si ça fait indiscret. Tu as quel âge? Je suis 15 ans. Elle dépassait 15 ans. Afoué. Comme ça là. Bon galère. 15 ans. Maman, va voir là. Bah ouais, elle est bigue, il fait gabo. Oui, ça il va cogner des. Oui, comment toi tu veux me regarder? Tu dis que t'as dit le congélateur. Toi tu regardes toute la Côte d'Ivoire. Dis le congélateur, toi tu regardes toute la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est sur le plateau des Fafa, ouais. L'émission la plus de polémique la plus déjantée. Ouais. Et tu regardes la nation, tu dis toi tu as 15 ans. C'est que dit à faire. Pour regarder ta caméra là-bas et puis dis que tu as 15 ans. C'est que dit à faire pour moi là. Oui. Je ne sais pas comment il sait pas ce qu'il a donné dire quoi. Moi, mon corps me fait boum 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 boum. C'est ça, Baoulé là, ils ont chanté un son. J'ai dit des limios. Mouari kanga kotra koyo mo miou mo pou pou mio. J'ai dit des limios. Mouari. Jésus. Dieu m'a aidé. Je ne sais pas où. Dieu t'a fait quoi? Il m'a aidé. Dieu t'a aidé. Il m'a aidé. Ah. Aider. Et puis, il y a aidé. Si Dieu t'a aidé, c'est qu'il y a quelque chose d'autre dans ton corps qui m'aide. Déjà, bluffer là, c'est pas facile. On dit que clair. Si tu t'en dis pas là. Faut dire aider. Parce que si tu dis à m'aider, ça veut dire que toi-même tu n'es pas, tu es comme Dieu. Comment c'est pour ça qu'il va t'aider. Je suis comme Dieu, non. Tu es comme Dieu. Eh, bravo. C'est bien. Il y a des Dieu. Merci. Merci, Tolobison de. Il n'a pas dit que tu es comme, mais tu es contre. Ré. Ah. Je suis comme intérêt. Ah, ok, d'accord. Je suis comme intérêt, à faire quoi? Ça fait quoi ici? Donc, tu nous disais que tu avais 15 ans. Oui, je suis 15 ans. Non, tu ne peux pas avoir 15 ans, il faut arrêter. Non, c'est vrai. Congélateur, tu m'arrêtes ça. Faut arrêter ça. Non. Papa, j'aime rigoler, mais faut pas que tu vas te foutre de nous. Non, il ne s'amusait pas, il ne fout pas de toi. Tu as fait quoi, 15 ans? 15 ans comment? Tu es né en quelle année? Pareil, mon papa m'a accouché 2002, la guerre là. Mm-hmm. Voilà, m'a accouché 2002. Même si tu as accouché en 2002, tu ne peux pas avoir 15 ans? Tu as 20 ans. Voilà, je suis 15 ans. Et c'est pas 20 ans. Tu sais compter au moins? Non, 20 ans là, c'est un petit fille à l'école là.
C'est, tu as 20 ans. Mais tu viens de nous dire que ton 15 ans, c'est beaucoup. Ta maman t'a mise au monde en 2002, c'est ça, non? Oui. D'accord. Donc, si tu, si tu es né en 2002, on est en 2023, c'est que maintenant, maman, tu as 20, il a 20 ans. Maman, mais elle s'appelle. Maman. Il a 21 ans, oui. Tu as 21 ans. Voilà, ici 20 ans. De 21 à 15 ans. Ici 23, 16 ans. Ah, donc, c'est vrai, elle est sortie, il a 23 ans. Eh, quoi j'avais non, quoi combien? Il avait on est venu pour travailler, tu te fous de nous quoi? Non, il ne faut pas de toi. Alors, il avait hey, comment ça? Bon, de 2002 à 2023, tu as 15 ans. Moi, il ne connaît pas mon lâche. Il avait 3 ans. Tu ne connais pas ton âge, on te dit tu as 21 ans. Il ne connaît pas mon lâche. Donc, je vais appeler manager, il va vous tester. Non, 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 on n'a pas besoin de manager ici. C'est toi l'artiste, c'est toi qu'on parle. Vas-y, nous, c'est manager qui chante. Moi, il ne connaît pas Bluffer. Oui, c'est pas manager. Il a 15 ans, mais il est sérieux. Il est connu l'artiste, j'ai dit. Je suis sérieux en direct, c'est le mot. Il t'explique ce qu'il fait là. Quand il veut fuir les questions, il dit j'ai appelé manager. On te connaît dans ça, tu n'appelles pas manager ici. Je vais te dire une chose, congélateur. Chez nous ici là, le manager n'a pas le droit à la parole. S'il veut te briefer, c'est avant l'émission. Mais quand tu rentres ici, là, le manager n'a rien à nous dire. Non, pas directement là. TV, c'est de ça qu'il s'agit. L'émission, c'est fa fa. Ça dit nous y est dans y fa fa. Donc, d'ailleurs, même tes lunettes, là, même là, ça me dérange. Et puis, qui t'a offert ça? Oui, on a bien, tu as payé ça où? Non. Ça à Botro, là-bas, tu as payé? Et c'est Maître Lobo. Oui, c'est Maître Gimis. C'est Maître Gimis qui t'a donné? Non. C'est Maître Gimis. Il est regardé. Si l'honnête le mec Gimis, c'est vite aussi tu allais sur le bouton là. Mais Gimis porte ça aussi. Bah ça là, il n'y a pas son qualité dans le monde entier. Quand elle paye ça là, tout le monde porte. À tous les monde entier porte. Tu vois les yeux quoi, grâce à moi. Lunette de Porti Ninja là, je n'ai pas. Ça veut dire que moi-même, j'ai créé moi-même mon propre modo. Ah, donc c'est ton propre style, hein, ton propre style. Voilà, mais propre qui style. T'a habillé ce matin quand tu sautais? C'est ton manager? Voilà, c'est mon manager. Tu lui as dit qu'il est méchant? Non, il n'est pas méchant, il est vilain. Il est trop gentil. Bon, Yedi, Chola, DJ congélateur, il n'a qu'à nous dire. Yedi, DJ congélateur, hein. Ouais. Tu peux t'appeler DJ Fourneau, DJ Gaz, DJ Micro-ondes, DJ Éventail, DJ Réfrigérateur. DJ Cuisinière. Bon, tu as laissé tout ça là, ces congélateurs, tu as choisi. Pourquoi? Fais frère, diminuer le clip là. Mais toi, tu t'appelles DJ congélateur, non, tu appelles le climatiseur. Mais moi, ici, congélé, puis il y a clim encore. Il a fait tout ça là, comment? Mais ça, c'est pas facile. Donné bon amusement pas ouais. Qui t'a donné donc congélateur? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour te faire appeler DJ congélateur? DJ, pardon, faut diminuer clip là. Non, c'est pas clip, c'est clim. Clim. Climatisation. Climatisé. Pourquoi tu te fais appeler DJ congélateur? Bon, un jour, je suis assis à un triaco biné dans une bonne guitare. Faut parler français. Et si je suis à quoi biné, donc je suis en train de jouer guitare. Donc je joue guitare là, et puis je dis ça là même. La titre que je veux, ça vient dans mon cœur. Si je veux faire là. C'est quel nom même il y a merci moi. Et puis penser tout quand, et puis quand mon corps est chaud, il était au village là-bas, il verse l'eau sur moi, il cherchait l'eau, il gagne l'eau sale, il prend pour verser sur moi, et puis mon corps là s'est glacé. Quand il pensait ça là, et puis son là, nom là ça vient dans ma tête. Je m'appelle DJ congélateur. Voilà, c'est ça. Et puis il a joué guitare là, et puis les gens sont venus fumer. Et puis, nom de DJ congélateur là, et puis pour créer son. Voilà, c'est ça, c'est parti. Tu sais que Dieu là, pour aider là, pour aider là, c'est pas chaque, c'est pas toujours va t'aider. Pour aider là, c'est un jour seulement, Dieu t'a aidé quoi. Et puis le succès arrive un coup. Et puis voilà. le soucième arrive un jour. Donc, si je comprends bien, ton nom là, ça rime forcément avec ton style vestimentaire. Parce que pour te faire appeler DJ congélateur, c'est pour ça que. Tu portes les loups, manteau. Et puis le manteau là-même, tu achètes ça où? Qui, c'est ton manager qui achète pour t'envoyer ou bien c'est toi-même qui vas choisir? Quoi? Est-ce manteau? Manteau qui est sur toi là. Doudou, une soutane que tu as porté là. Un mouton. Non, j'ai pas dit mouton, j'ai dit manteau. Manteau. Allez, veste nga ou la veste. Ah, ça là. Allez. Ça là. Tu sais, est-ce que tu sais que ça emporte ça pendant l'hiver? Ça là. Quand il fait froid? Oui. Ça là, s'il te plaît, ça là. Ça veut dire que je suis chinois. Voilà. Par exemple, président de la Chine, Arafat, Didier, Yorobo, c'est ça là, il porte. Quand il porte ça là. Ah d'accord, donc et en puis, fait tu mets les blousons de moto voilà. Pour représenter non, moi, un peu moto pas, moi je ne moto pas. Non mais les motards portent ça. Mais pourquoi tu ne moto pas? Moi ici, moi je ne fous pas moto. Je fous moto. À quoi moto? Sinon il est tombé à mourir comme mon collègue. Non, c'est pas... Non, c'est pas pareil. Non, moi je ne vais pas... Moi, il n'est pas. Chacun a son destin. Il n'est pas là. Dis-le, congélateur. Mais pourquoi caillou dans ton oreille? Pourquoi? Bon, caillou là. Ça veut dire que bam, le docteur au bam Didier. Tu fais quoi? Il était d'homme. Comment ça? Ça veut dire que le dent.
Ah, tu l'aimes, tu l'aimes beaucoup. Non, il n'aime pas comme femme, ouais. Non, 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 je ne pas dire que j'aime comme femme. Tu l'aimes bien, tu apprécies sa personne, c'est ça? Non, il n'aime pas, Néo. Maman, s'il te plaît, il n'aime pas trop comme femme, quoi. Néo, tu n'y es pas, tu n'y es pas, tu n'y es pas. Moi, yo, tu l'aimes bien. Ouais, non, il n'aime pas, il est fan de lui. Tu es fan de lui? Ouais, mais il n'aime pas, ses femmes, on l'aime. Ah, tu es un fan de Obama. Il est fan d'Obama. Moi, je suis pas fan d'Obama. J'ai dit, je suis aimé, quoi. Voilà, c'est ça qui est là. Et si il est aimé. Non, mais attends, il est sérieux là, lui. Attends, il rigole ou il est bon, sérieux? Donc, quand il a eu dans l'oreille là, ça veut dire. Voilà, donc, quand il a créé le chewing-gum dans le terrain, donc moi-même, il s'est assis pour penser pour moi. Un jour, on est parti dans un bar, grand bar. Donc, il est blessé. Le jour, il est ici, l'on est. Il est ici, l'on est. Il y a l'on est à Coco di Blanco. On t'a mis à l'honneur là-bas aussi. Et puis il y a l'honneur à Kumasi. On t'a mis à l'honneur à Kumasi aussi. Voilà, et puis il y a l'honneur à Yopougon. À Yopougon, voilà. Okay. Donc il est fini un, il va sur les deux. Il est fini les deux. Et puis il va sur un. Un là, la dernière un là, c'est là-bas avec Chris là. Quand il finit de presser, et puis ils ont joué son de Obama. Quel son dans le terrain. Et puis, terrain ouais, et puis il est là danser, il fait mon fesse là quoi. Mon beau blabla, il fait quoi. Et puis il crie pour moi. Il a pris le micro là et puis il dit « Y'a caillou dans ton zore, y'a caillou dans ton zore, y'a caillou, zore, zore, y'a caillou dans ton zore. » Toi la petite fille là où, il dit « C'est moi qui me blague, mon bébé c'est moi qui me blague, tu sais pas que c'est collègue de Yoropo, tu dis tu veux marier pour les baiser, il est payé pour te donner, tu dis tu veux marier pour les rodis, il est payé pour te donner, mais quand il te dit bébé viens on va dormir, tu fais quoi mon, y'a caillou dans ton zore, y'a caillou, zore, zore. Donc du genre, il a improvisé pour genre. Boue, tout ouais, pour les baiser. Tout, maintenant au moins tu vas aller dormir. Pour les quoi? N'entend pas. Pour les baiser, pour les qu'on baiser sur les filles là. Pour les qu'on fait quoi? On baiser sur les filles et puis il y a une dedans. Et puis il n'a pas une traverse dans ça va être dans fil à zion zion c'est ça pour les pour les baiser avec pour le rodique non mais ça va on a compris pour les baiser pour le quoi pour le rodique pour le rodique hein? Oh, on a pour on le a rodique compris. C'est trop doué c'est doux pour les baiser non, les deux sont doux mais pour le rodique là c'est doux mais le poulet là c'est le premier poulet que tu as payé pour les baiser c'est pour le quoi bon la vie qu'il mange là c'est pour les baiser avec pour le rodique la vie là c'est ça. Donc, pour les baisers, elle dit qu'elle ne veut pas. Donc, elle a fini de mailler ton poulet baiser, elle dit qu'elle ne veut pas dormir. Donc, les gens sont sortis dans décembre là. Elle a fini de mailler, elle a qu'à venir maintenant. Elle s'est mis bien. Elle vous allez vous mettre bien là, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi? Vous le mettez bien comment? Maman. Comment? Congélateur, les enfants de 15 ans ne se mettent pas bien. Hein? Tu as 15 ans, tu te mets bien comment? Mets bien comment? Donc, moi, je ne couche pas enfant quoi? À 15 ans là? À 15 ans? Non, c'est pas à 15 ans. Ah, toi, c'est pour te mettre bien là, là, tu reconnais que tu es vieux. Tu es vieux. Je suis 14-18 ans. Il n'est pas encore arrivé 15 ans. Quand je l'attends, faut bien t'asseoir. Ou bien t'asseoir, pas où tu veux là. Ouais. On te connaît maintenant. Parce que veste là même là, ça a dépassé ton corps. Oui, c'est Yoruba. Et d'autres Arafat. Arafat là, et puis les femmes comme ma femme. Voilà, Paye, et l'aime trop lui. Oui, c'est Arafat qui était vivant, qui l'entendait ce que tu viens de dire là. Voilà, toi, ta carrière était terminée. Bon, non. Il est chaud là. En fait, non, dis-le qu'on est. Moi, je pas CD. D'abord quoi? CD. CD, c'est quoi? CD qui marié garçon là, il s'est pas CD. Ah, tu veux parler des homosexuels? C'est ça que CD là. Garçon, il y a un garçon qui m'a dit garçon, il s'appelle CD. On les appelle les CD. On dit homosexuel. Homosexuel. Congélateur. Ouais. On a appris un moment que tu as été très malade et qu'il s'agissait d'une bosse. Voilà. Ouais. Ben oui, ils t'ont lancé ça ou bien? Qui m'a piqué amour? Mais avec tout l'argent que tu tournais, tes managers, tout ça, tu n'as pas encore plus le temps d'aller te soigner, tout ça bien, bien. Non, il dit même qu'il a fini de me soigner. C'est bon? Oui, c'est bon. Il a soigné moi, Yopougon, c'était vrai. Mais maladie, elle est quittée où? Elle n'est pas quittée Ghana là-bas. Là. C'est quelqu'un qui t'a lancé ça. Il t'a mis ça, est-ce que tu veux à moi? Non. Mais il paraît que toi-même, là, on dit qu'il y a des génies qui souvent ils se manifestent à des moments, tout oui, ça là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas un génie. Non, on dit qu'il y a des génies non, sur on toi. Il y a des génies dans ton on corps. On peut pas aller génie de dehors. Non, moi je suis chrétien, moi je n'ai pas un génie. Ah donc maintenant tu es chrétien. Je suis chrétien, depuis je suis au village là-bas, Bodokro, je suis chrétien là-bas. C'est ça, Dieu me fait un peu, quand Dieu m'a laissé traverser, il m'a laissé gbé quoi, il m'a laissé pour, il y a qui nous un truc à nous gbé. Il m'a laissé traverser la Côte d'Ivoire. Maintenant, depuis que tu as quitté Bodokro, tu es arrivé, tu as eu un peu de succès à Abidjan. Est-ce que tu es retourné un peu saluer tes parents là-bas pour leur dire que tu vas oui, bien? Oui, il est retourné un jour pour aller saluer mes parents à Pobino. Voilà, il fait le jour où on est dansé, mais il a fait tout là-bas. Donc c'est quoi qui tourne là? Tout au milieu ça quoi?
Non, il s'est trémoussé. Ah, ils sont fiers de moi. Mais et Ange Faro, tu as laissé une nouvelle? Ange Faro. Oui. Tu t'appelles Ange Faro. Ah, tu le connais plus? Tu connais pas Ange Faro. Ah. C'est lui qui a créé la danse du cuir des poulets. Ah, lui qui a porté grand lunette. Qui a porté Abby Panther. Abby Panther. Abby Panther. Ouais, Ange Faro. Il est collé. Tu étais sur un plateau de télé avec lui. Oui. Mais lui aussi, il a dit qu'il ne te connaissait pas ce jour-là. Mais moi, il ne le connaît pas. C'est une fois, il a vu, il a assis, quoi. Lunette, grand lunette, quoi. On dirait Kolongoli. Kolongoli, là. Moi, pour moi, là, c'est Kolongoli, comment? Kolongoli, comment? Attends, il a porté grand lunette, on dirait quoi? Kolongoli. Kolongoli, là, c'est quoi? Nous sommes tous, Kolongoli, là, au menu. Ça est dans graine, quoi. Il est pas là, c'est vrai. Mais il dit, dis-je qu'on l'a dit, tu es marié ou bien tu es célibataire? Bon, on dirait que c'est célibataire. Tu as vu, on t'a vu une go tout à l'heure à l'entrée là-bas. Go. C'est pas go, de... C'est gars. C'est un ami qui est venu me accompagner. C'est mon ami. La fille là. Quelle et le congélateur, faut, arrête faut ça. Pas venir faire... Non, c'est pas venir faire... Bon, c'est ta go ou bien c'est pas ta go? C'est mon tanti. C'est ta tanti? Non, c'est ma petite. Nadon, elle a 12 ans. Non, j'attends, celui-là, on dirait qu'il est une femme au village. Il est donc, il peut pas bien parler. Déclarer. Il a des enfants au village, ça va vite. Hein? Au village, ça va très vite. Tu as des enfants au village là-bas? Oui, il y a les enfants là-bas. Est-ce que toi-même, tu as des enfants là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas d'enfants là-bas? Est-ce qu'Aléba? Aléba. Moi, il ne gagne pas d'enfants, il gagne enfants. Mais maintenant, tu es devenu star. Si tu retournes à Bodo Clos, tu es sûr que les femmes vont aller se livrer. Ils ont tous marié, toutes les femmes là. Il n'y a pas de femmes dans le Côte d'Ivoire encore. Mais congélateur, attends, toi aussi. Ça m'étonne. Avant, où tu disais que tu lançais. Faut pas retourner. Attends. Avant, tu disais que tu lançais Daba. On voulait comprendre, on supposait que tu n'avais rien. Mais maintenant, là, tu es devenu une célébrité. Tu es passé sur tous les plateaux de télévision. Tu es sûr que. Je suis content. Grand Mindeka. Voilà. Si tu es sûr que si toi tu retournes à Bodo Cro là-bas, là, à Soignan, là, tu n'as pas rien, femme. Quelle grande femme? Alors? Parlez là, les filles là, mais on sont en tasse, moi. Alors? C'est maintenant que tu as dit la chose. Les filles là. Les filles partout là. Ils sont fans de moi. Mais pourquoi tu refuses? Quand ils descendent la voiture, quoi là, ils sont venus à. Et puis tu fais le malin maintenant. Avant, il y a un qui m'a regardé, moi, quand il est prêt, que tu étais voiture. Il dit la fille là. Non, moi ma vie là, elle, sa vie là, ça croit. Mais, congélateur, on a pris un son sur toi là. C'est femme qui l'aime, garçon. On dit que tu te caches là. Garçon, il y a un petit son sur congélateur. Il paraît qu'il soit Cécilia Alex de Dougoutigui là. Quelle Dougoutigui? Cécilia. Cécilia la magie, celle qui sortait de Dougoutigui là. On dit que c'est ta go maintenant, c'est vrai. Non, c'est pas mon go. De... C'est ta quoi? Moi, il n'est pas prendre go d'abord. Pas aller là. Il n'est pas trop avancé quoi. Voilà, c'est qu'il dit mon nom est soulevé. Mon nom est soulevé, mais il n'est pas servi là, dans le Côte d'Ivoire. Ton nom est soulevé, mais est-ce que l'argent est soulevé aussi? L'argent? Non, ça a soulevé. C'est l'argent, mais mon époque là. Maintenant, chaussure qui est dans tes pieds là, si vraiment. Fais le bien, mais là, ça. Non, je ne vais pas encore parler de Fio, j'arrive. Je dis chaussure, n'yabba boangale. Ce qui est dans tes pieds. Godas, tu as porté, vous venez t'asseoir chez nous là. Ça, c'est bon, chaussure. Ça où? Si tu as ça là. Non, moi-même, c'est pas ça là, tous les gens, ils vont te prendre pour partir à Péron. Tu as acheté ça où, Fio? Congélateur, à toi, Nifan, ou bien de faire mon nom, ils t'ont donné? On compte toi à Djamé. Ah, tu as acheté ça à Djamé? Oui, à combien? Ça là, s'il arrive à Bodo Cro là-bas, il va tuer. Les villageois n'ont jamais vu ça où? Mais si. Mais Chola, tu sais que congélateur, il est beaucoup invité dans les prestations chez le Corabier? Oui, Corabier. Ah bon? C'est quoi la raison? Il a fait son en fait, il a fait une chanson. Moi, mais il a fait un son pour les monos. Pour Corabier, pour les monos, pour les policiers, tout ça. Il a fait un son pour eux. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ouais, parce qu'on veut comprendre. Il les aime. Il les aime. Ils aiment et pas eux. C'est eux qui sont partis. Et si Bodo Cro là-bas, ils ont filmé moi. Réseau sont souris. Et puis ils sont bandants, moi. Donc c'est les Corabier qui t'ont filmé en fait. Voilà, oui, Corabier. En fait. Corabier là s'appelle Jackis. Jackis, c'est lui qui t'a filmé. Il s'appelle Gendarme Jackis. Okay. D'accord, donc pour lui rendre hommage, tu as fait une chanson spéciale. Non, pour il n'est pas mort. Non, puis je dis hommage, c'est Jean. C'est pas forcément quand il est mort. Jean. On rend hommage même du vivant d'ailleurs. Vivant d'ailleurs, parce que tu sais qu'il a fait pour toi là. C'est tellement bien. Oui, il a fait hommage à lui. À tout le monde. Mais ils sont pas morts, ils sont là. Oui, on n'a pas dit son mot que je l'ai. Mais comment tu dis hommage là? Bon, mais d'accord, donc tu as fait ça pour lui montrer ta gratitude, n'est-ce pas? Hommage là, c'est Didi Arafat. C'est mon congélateur. Tu n'as pas laissé Arafat reposer un peu en paix? Oui, il est Arafat. Tu sais qu'on prononce trop son nom comme ça, il n'est pas en paix. Assiso. Et ça, tu vois? Non, tu demandes de voir. Donc, ce que Defalé veut te demander là,
comme c'est un gendarme Jackie, c'est lui qui t'a filmé et ouais. puis il a balancé sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est comme ça que ton succès est né. C'est ça, non? Oui, il a aimé. Donc, il a aimé tous les gendarmes. Voilà. Donc, tu as chanté pour leur dire merci. Non, merci ça? À tous les codes de la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Donc, on se montre. Chanté pour merci. On t'invite beaucoup. Merci dans les corabillos. Merci beaucoup. Merci les policiers. Il y a ces bolos, il y a oui au bolo, il y a ces bolos, ah ces bolos, il y a ces bolos. C'est Zouglou? Ouais, pas Zouglou. C'est quoi? C'est Mono. C'est Yusumba. C'est Mono. Non, mais ça c'est une mélodie Zouglou. Mélodie Zouglou. Oui. Il y a pas ta mélodie. Moi, papa. Il y a ces bolos, il y a oui au bolo, il y a ces bolos, ah ces bolos, il y a ces bolos. Nyaouli au bolo, ça y a c'est bolo, c'est bolo, ça. Je vais dire merci, c'est moi DJ quand j'ai raté, dis merci. À tous les corabillos, ma mère, grâce à eux, c'est connu partout. C'est bolo, ça. Je vais dire merci, merci les corabillés, merci beaucoup. Merci les jeunes amours, grâce à eux, ils sont connus partout. Merci beaucoup. J'ai ma pirate. Merci beaucoup. 14 ans la parlé. Merci beaucoup. Collègue de Yorobo la parlé. Congélateur, merci beaucoup. On t'a pas invité pour venir chanter. On dit qu'on répond à vos questions. Non, je ne chante pas. Ici, faire répétition. D'accord. C'est pas faire répétition. Ici, là, c'est pas plateau pour faire répétition. Faut attendre que tu vas partir. Donc, ton manager, là, c'est aussi ton producteur, n'est-ce pas? Ouais, c'est lui qui c'est lui qui t'a envoyé à Abidjan. Ouais, ouais. C'est lui qui a payé car là, transport de car là, c'est lui qui a payé plus d'un million. Non, c'est pas lui qui m'a envoyé à Abidjan. Comment tu as dit? C'est lui qui m'a envoyé à Abidjan, voilà, c'est lui. Ah mais finalement tu nous dis quoi? C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui. Il est parti. Comment c'est pas lui? Il a mis essence. Pas il a moto gwen. Toi t'as pas dit que tu montes vas-y moto? Non, quand il était il m'a pas préparé. Bon, il a mis essence dans la moto. Voilà. Il a mis essence dans la moto là. Donc il est parti au village là-bas. Pour me soulever pour t'asseoir derrière moto. Puis il a pris mon bon, poussé, il a poussé derrière nous quoi. Il a poussé mon trou et tout ça. Donc tu es quitté au village là, c'est sur mobilette, vous êtes quitté au village jusqu'à Abidjan. Non, là-bas, il n'y a pas de voiture là-bas. Voiture qui va là-bas, là, c'est Massa. Massa. C'est Massa qui va là-bas. Donc Massa là, tous ils sont déjà partis. Tu vois non? Ok. Donc il a pris son moto là, mis essence, il est parti prendre moi au village derrière moto. Donc il vient là, il dit qu'on j'attends. Il me plaît. Par exemple, moi, ça me fait peur. Et puis, je suis content encore. Mm-hmm. Je suis content et puis il paie encore. Par exemple, il ne connaît pas la personne. Mm-hmm. Ton producteur, tu ne le connaissais pas? Quand il dit quand. Et puis, faut répondre, tu ne le connaissais pas? Quand il a dit déjà, tu ne le connaissais pas? Les jours, il partait là, il ne le connaissait pas. Par exemple, il est villageois. Donc, allez là, il n'est pas villageois, il est bluffé. Jean, tu es trop hier maintenant, quoi? Maintenant, ouais. Tu es hier. Alors là, quand il est arrivé au village, ils vont dire, il n'a pas vu c'est chinois. Ma question est la suivante. Quand tu quittais le village pour arriver à Abidjan, tu avais les cheveux jaunes ou bien ça a bien ici, ils ont fait teinture là. Abidjan ici. Quand il vient là-bas, là, cheveux noirs. Il est venu avec cheveux noirs. Ah, tu avais les cheveux noirs, ça a bien ici, ton colonisé, puis tu as... maintenant, pourquoi ils ont fait cheveux? Non, faut que cheveux même. Qui t'a expliqué cheveux jaunes là? On complétait un peu. À quoi? À cheveux là. Il ne coupe pas quoi. Ça vient, ça complète un peu. C'est droit Dieu fait. Il fait quoi? Il fait beat. Il joue sa tête. Bon, les DJ sont en train de rire moi. Mais voilà, justement, affaire de Fior de Biol là. On a qu'à bien parler, ça me fait mal. Hein? On dit Fior de Biol, c'est foutu de toi. Je t'explique. C'est comme moi j'ai entendu là. Il dit qu'il va t'envoyer au Maroc. Pour aller faire une prestation là-bas, tu seras rémunéré à auto. En fait, ton cachet sera de 8 millions. 8 millions. D'accord ouais. Donc, au dernier moment, Fior est parti sans toi. C'est ça, non? Bon, je t'ai jamais parlé là. Granta, j'ai fini. Ça a pleuré. On dit, tu as pleuré jusqu'à Asoulele. Donc, tu as pleuré jusqu'à Fior de Bior dit que c'est parce que ton passeport est arrivé la veille que finalement tu n'as pas pu partir. Alors qu'à la vérité, pour aller au Maroc, tu n'as pas besoin d'un visa. Voilà, entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de visa. Même si tu prends ton billet à 15h, à 21h, tu prends ton vol, tu t'en vas. Tu comprends? Donc, ça t'a fait mal, Neyo. Oui, ça t'a fait mal. Parce que toi aussi, ta bouche, elle se met tranquille. Tu as dit que si tu arrives au Maroc, tu vas caler là-bas. C'est ça? Non, c'est pas à cause de ça. Lui, ça il a déjà blagué, moi, c'est ça, il a parlé ça là. Il t'a blagué comment? Il a déjà mis moi derrière vélo. Et puis, quand il tombe pour aller là-bas, là, il a fui.
Tu vois, non, là, déjà, prends-moi pour t'asseoir sur le vélo, là. Il donc, a fui comment? Si on le vélo, toi. Il a mis ce petit vélo. Non, il dit, il a pris, il a pédalé ou non? Il a pédalé, oui, oui. Mais est-ce que toi, tu penses que... Il n'y a plus quelqu'un qui vélo là, c'est moi, c'est assis derrière, il va seulement. Il casse la brousse. J'ai dit, mais il n'a pas pédalé, mais qui l'a abandonné sur le vélo? Il l'a abandonné sur le vélo, puis il l'a poussé. Mais toi aussi, comment tu dis à Fior de Bior que toi, si tu arrives au Maroc, toi, tu ne vas plus venir? Pourquoi tu, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais parce qu'il y a un marié blanc là-bas, ça quoi? Non, au Maroc, ce n'est pas des blancs, c'est des maghrébins. Ah, donc toi, tu as fait des bluffons aussi. Bluffons, ça te fatigue, hein, vous les appelez? Tu crois, moi, il aime trop bluffons. Ça quoi ça, il ne marie pas. Non, c'est pas toi, c'est qui aime. Il ne marie pas la petite fille d'Abidjan. Tous les problèmes bluffons. Ça quoi ça, il ne marie pas. Mis à part moi. Oh, attends là. La petite fille d'Abidjan, là, il est fan de moi. Mais moi, il est fan de lui, mais il ne marie pas. Si il est marié ici, là, c'est blanc là-bas, il fait comment? Donc ça veut dire que toi, DJ Congélateur, là, où tu es arrivé là, si quelqu'un a le malheur de t'envoyer en France pour un petit spectacle de 10 minutes, tu disparais. Tu disparais en même temps. C'est ça? Petit. Disparais là, c'est quoi? Tu sais très bien de quoi on veut, tu vas t'évader. Il t'en dit pas, hein. Si tu attends. Parce qu'il est déjà prêt, il est paré à ça. Parce que regarde même les manteaux qu'il porte, il y a les patogas qu'il a porté pour nous envoyer là. Ça veut dire que dès qu'il a une opportunité, le gars il va disparaître. Mais tu es sûr que les promoteurs vont t'inviter par rapport à ça? Papa, maman. Il faut pas me voir, garçon. Écoute pas ton bouche. On peut annoncer des. Attends, faut écouter moi. Fier de Bio, moi il n'ai pas demandé permission à Fier de Bio qui n'a qu'à me prendre pour aller au Maroc. Mm-hmm. Oui, on a passé. Il voulait t'aider. Oui, on a, dans la télévision quoi. Il a parlé quand ça a sorti dans sa bouche. Fier, voilà, ça a soufflé moi quoi. On a récupéré avec toi. Il a donné 8 millions. Il a prêt pour partir au Maroc. Moi, je suis content du corps, tout mon corps, mais vous avez fait nia. Nia. Hey, ça. Bah, je suis trop content. Tout mon cheveu, même ça lève toi si ma tête. Nia. Tes cheveux sont dressés. Ils sont t'assois, mais ça lève toi quoi. Bah, je suis trop content. Je suis. Il a fait quoi? Abomination. Il a tapé ma tête quoi. Ah, l'abomination, il m'a mis derrière le vélo et puis il a poussé. Il t'a pédalé. Et moi, pour partir là, lui, il a perdu d'abord. Tu vois, non, on ne fait pas ça. Ce que tu ne peux pas faire, on ne t'a pas pour attribuer moi, il a fait ça. Mais il t'a donné non, là, rendez-vous. Là, tu t'adresses à Fior de Bio comme ça. Là. Hein? Tu parles à Fior de Bio en ce moment comme ça. Mais c'est vous me demandez. Il faut regarder ta caméra, tu vas t'adresser à lui. Je pense à nous que tu veux dire. Ce que tu ne peux pas faire, on ne t'a pas pour attribuer moi. Moi, il peut faire ça. Tout ça là, c'est foutaise. Moi, quand j'étais ici, déjà connu. Au Maroc, me connaît. À Paris, me connaît. À Péric, il me connaît. Où ça? À Péric. C'est où à Péric encore? Quoi, il va même, non? What? Partout, me connaît. Les gens, l'homme même me connaît, jusqu'à Ambrose là-bas. Les membres de Ambrose. Non, oui, nous, on le connaît. Amand de Ambrose. Est-ce que Med James, tu connais? Med James. Il m'a connu, ça a causé ça, il a payé son rue. Il a fait featuring avec Med James. Mais quel est l'artiste avec lequel tu rêves de faire featuring? Didi B. Et puis Safaré même, il dit il veut faire featuring avec lui. Il répond, même il ne répond pas. Ah, tu as envoyé un message à Safaré pour dire que tu fais featuring avec lui, puis il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Safaré, il donne trop Safaré. Après Arafat, là, c'est Safaré, il aime. Parce que Safaré, là, son nom, là, ça brûle nos villas là-bas, non. Les jours même, Safaré, on dit il vient là-bas, là. Si quelqu'un n'est pas mort dedans, les gens vont mourir dedans. Si quelqu'un n'est pas mort, les gens vont mourir dedans. Bon, d'accord. Maintenant, affaire de Fior, là. Et après, il a fait une vidéo où il te disait qu'il te donnait rendez-vous à la Riviera. À la Riviera. De, ou je ne sais plus. Voilà. À quel est-ce que le même? Voilà. Je ne sais même plus. Hein? À 11h. Il dit de venir seul. Une passe net. Il t'a dit de venir seul. Est-ce que tu t'es présenté au rendez-vous de Fior de Moi, Pierre? Je vais venir seul. Oui. Mais c'est ce qu'il t'a demandé? Il peut me tuer ou bien. C'est attends, pas. Il sait que tu ne peux pas venir seul, ça vous est la vie. Donc, tu as peur de lui? C'est foutaise, il parlait là. Tout ce qu'il parle là, tout c'est foutaise. Moi-même, quand j'ai hâte, Dieu va me prendre pour partir au Maroc. Ah. Là, il ne pense pas sur quelqu'un. Il pense sur mon Dieu. Voilà, il ne pense pas sur quelqu'un. Moi, je ne pense pas sur quelqu'un. Je pense sur mon Dieu. Je ne pense pas sur quelqu'un. Je pense sur mon Dieu. Si tu as tapé ton poitrine, que tu veux faire ça pour moi, je suis content de toi. Si tu n'es pas me donner, et moi, pas, et décidé par la mort. Donc, faut pas, ça me fait mal. Mais. Donc, tu as dit d'improviser comme ça. Après, fait mal, hein? Non, mais... ça te fait mal. Toi, mon nom est gâté dans les pays là. Moi, quand j'étais condition de gendarme, mon nom est gâté quoi. Et puis lui, il est assis quelque part. Ah, mais c'est toi-même, tu trouves pas que c'est toi-même qui as gâté ton affaire? Quelqu'un te dit, je vais t'envoyer au Maroc pour un spectacle, une prestation, on finit, on revient. Maman. Toi, tu lui dis, attends. Toi, tu lui dis que quand tu vas arriver là-bas, tu vas rester là-bas. Pourquoi? Pourquoi il va pas peur de t'envoyer là-bas? Non,
Il reste là-bas, quoi. Mm. C'est pas affaire de rester, il n'est pas me prendre pour partir. Ça fait de quoi? Oui, ok, c'est qu'il me fait mal. Oui, million qu'il dit va me donner là. Ah, toi, c'est l'argent là, les 8 millions là. Il a fait, moi, il fait passeport. Il a mis tout mon land. De... passeport là, c'est combien? C'est 40 000 francs? Tout mon land. Fait mal? Non, attends. Tout mon land. C'est beaucoup, beaucoup de désolé. Tout mon land pour les baiser là. Il a pris tout pour mettre dans le passeport. Là, qu'il prend pour moi, pour les baiser, à cliquer Rodi, pour les Rodi, il prend pour moi là. Il a pris tout pour mettre dans le passeport. Maintenant, il finit de faire passeport là. On demandait permission. Il est là pour partir. Et puis, il attend. Il a laissé moi. Il est dans l'avion. J'attends son nom, il est dans l'avion. Hein. Ça fait Fio. 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 Voilà. Ça a avancé quoi. Voilà. Donc, brûle l'avion même là. C'est ça, mais ton cœur te brûle quand tu entends ça. Ça te fait mal. Quand t'entends ça là, mon cœur t'est coupé. Ça te fait trop mal, ça te fait trop mal tout mon cœur. Aïe! Ils ont demandé qu'il y a blanc au mari. C'est bruit là-bas. Mais ce qui te fait mal en fait, en définitive, hein, c'est quoi? C'est le fait donc que. Moi, attends d'abord. C'est le fait moi, que Fior. Pas attends. Donc c'est moi, le fait que Fior soit parti dans ton dos ou c'est à cause des 8 millions que tu l'as pas eu? Moi, il laisse pour moi dire. On n'a pas dit tu laisses pour toi à Chétan. On demande. Fait, moi, je te demande, dans l'affaire de Fio, là, qu'est-ce qui te fait mal? C'est pas, il t'a pas envoyé au Maroc pour te donner les non, 8 millions au ou Maroc, là. C'est parce qu'il est parti sans toi. Au Maroc, là, là, c'est rien. Moi, forcé, arrivé au Maroc. Mais 8 millions qu'il m'a blagué, là. Mm-hmm. C'est mon nom qui a gâté. Quoi. Parce que quand les gens me voient, ils disent qu'on j'ai tu as fini de bouffer 8 millions, là. Tu vois, t'as fait comment? C'est mon nom qui a gâté. Donc moi, il n'est pas fâché. Alors que il tu n'as rien touché. C'est quand tu n'as pas eu. Alors que c'est qui te fait mal. Donc on te voit, on pense que tu as les 8 millions. Exactement. Alors que même Moro, il n'a pas eu. Moro, mais Moro, 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 mais moi, il n'est pas eu. Bon, aujourd'hui, la session de Bior est en face de toi. Qu'est-ce que toi, congélateur, tu as lui dit? Ce qu'il a dit et puis il n'est pas fait là. Ça lui fait trop mal. Mais moi, congélateur, elle laissait pour moi à dire. Voilà, elle laissait pour moi à dire. Moi, il parle plus. Si demain, ouais, il vient te dire qu'il y a un autre spectacle, viens partir, tu as accepté ou bien tu vas refuser? Moi, on ne couche pas Kabri deux fois avant pour moi. Non. Tu as couché un, il n'est pas mouru là, sans que toi, tu es mort vivant. Tu as m'a blagué un. Et puis, tu viens me blaguer encore. Ça là, c'est pour jeter dans le feu seulement. Mais congélateur, aujourd'hui, tu es arrivé à Abidjan, tu es une célébrité, tu es devenu une star, tu fais pas mal de plateaux de télé. Abidjan, je suppose que dans les chanteuses, là, ou bien dans les femmes qui sont célèbres, il y a une qui te plaît quand tu la vois. Content. Non, attends d'abord, je parle des filles qui sont célèbres. Il y a une, quand tu la vois là. Ça va qui? Qui te fait. C'est femme de la grande paix. C'est femme de la grande paix. Moi, il n'aime pas grosse femme. Hein. Femme qui est dans la télévision là. Laisse-moi toi. Attends, et dossier est grosse quoi? Voilà, c'est grosse. C'est grosse. Donc toi, tu es une femme comment? Mince. Voilà, ça là. Attends. C'est qui? Ils vont montrer. Ah, d'accord. Ils vont montrer. Voilà. Bon, donc les femmes mince dans le show. Voilà, c'est parti. Donc, bon, faut citer un nom parce qu'on ne voit pas de c'est qui tu veux. C'est Famtika. Famtika. Les miss là. Famtika, il aime les femmes voilà courtes. Ils sont montés, mais ça partit. Ah. Mais c'est quoi le nom de la femme courte que tu aimes encore de voir dans le showbiz, par exemple? C'est ici. Qui n'est pas. Showbiz. Abidjan, ici, là, c'est quelle femme qu'on connaît qui peut te plaire? Dans la musique, dans tout ça, dans la mode. Toutes les femmes, ça me plaît. Par exemple, si ce n'est pas mari des gens, ça me plaît. Ah, mais tu viens de dire que Eudoxie, par exemple, c'est pas ton genre. Donc, tu ne peux pas dire que toutes les femmes te plaisent. C'est que tu as un genre. Pourquoi mon ventre te fait mal quoi? Quoi le rapport et la question qu'on te pose? Non, mon ventre te fait mal quoi? Ça te fait mal trop. Aïe. Ça quoi? Me fait gna en bas de mon ventre là. On dirait. En bas de ton ventre, comment? Ton ventre ou en bas de ton Nkoumbo, ventre? Un clubo. Ton bas ventre. C'est que je cherche à te. Un clubo yonga. Un clubo fouet. Un clubo yonga. Voilà, ça va en bas de mon ventre là, ça te fait mal. Ton bas ventre. Bas ventre là, c'est quoi? C'est en bas de ton ventre? Oui, voilà, ici bas ventre. Mais pourquoi ça te fait mal maintenant? On te pose question par rapport à femme et tu nous dis que toi ton bas ventre te fait mal. Quoi le rapport ton bas ventre? C'est mal de femme, c'est femme qui a mal au bas ventre. Garçon aussi a mal au bas ventre. On dit nous, c'est femme qui vend mal. Ah. Donc on va les faire bien là. Moi j'ai enlevé ma. Non mais attends, tu fais du quoi qu'à la mec? Nous ou quoi? Tu viens de. Tu dis tu as mal au bas ventre. Il y a eu quoi et puis tu as mal au bas ventre? Bon, quand il est là. Hein? Mon ventre ça roule, on dirait une nageoire. Ça roule quoi? Ça passe ici et puis ça tourne quoi? Ça a dit. Donc, quand on parle de femme, tu as mal au bas ventre. Je suis blé, quoi. Congélateur. Il est blé. Quand on parle de femme, tu as mal au bas ventre. Non, il y a mal au ventre. Il y a mal au ventre. Pas il est blé. Maladie de blé, là. Blé, c'est quoi? Maladie de blé. Si vous connaissez son français, là. Tu as aigri. Aigri. Tu as bobo de voilà, aigri. Je ne suis pas bobo de
Il y a un gris. Bon, on a compris. Oui. Congélateur, il dit, entre toi et Fior du bio, qui est le plus dégamé? Le dégamé. Non, le plus dégamé. Gamé, là, c'est quoi? C'est indiqué entre toi et Fior du bio, qui peut faire, qui peut sortir, qui peut faire le coq à l'âne, qui est le plus fou? Dis-moi. Mais c'est pas fou, je suis intelligent. Hein. Si c'est lui qui est fou, moi c'est pas. Moi je suis trop intelligent, mais. Et c'est pas fou. Et c'est pas fou. Fou là, c'est eux qui promenaient ce boudon là. Moi c'est pas fou, c'est pas fou. Non, pas forcément, non. Non, non. C'est pas à faire forcément, mais c'est pas fou. Et c'est pas fou. Celui-là, je pense que le visage va t'y aller. Non, on attend arrêter. C'est bien parce que nous on s'en va là. Je pense que ce gars, il doit retourner à Bodokoro, à cette allure là. Manteau même, il a porté la main d'âme et s'est levé. Moi c'est l'homme intelligent, tu vois. Non? Ouais. Si lui il a dit que moi je suis fou là. Et c'est pas fou, c'est lui qui est folle. DJ me voulait rire. J'ai ma nouvelle année à bien commencer. Voilà. C'est lui qui est folle. Hey. Attends, tu sais que tu es en train d'attaquer Fior de Bior. Quand il va lui penser, tu le connais. Tu le connais. Lui, il a le missile sur l'air. Toi, tu peux rivaliser. Toi, tu peux t'arrêter de voir Fior de Bior pour lui dire ça. Il fait beau drada. Moi aussi, il ne fait pas beau drada. Il fait couper décalé. Voilà. Donc, on est comme Arafat avec des Bordeaux. Voilà, ils sont, ils sont dans les. Qui est Arafat? On vous de là, qui est Arafat et puis qui est de Bordeaux? C'est moi, c'est Arafat. Et puis c'est lui qui est de Bordeaux. Drogba, non, il est connu. Et puis il joue ballon, il gagne. Mm-hmm. Mais nos joueurs, il est étudié au Baori. Il n'est jamais 16 joueurs même. Il vient prendre coupe dans la main des Drogba. Tu sais ça? C'est qui ça? Non, il y en a quoi? Un bouton quoi? Il casse, il y en a quoi? Il dit quoi? C'est un proverbe quoi? Voilà. Ah, c'est un proverbe? Oui. Bon, dévalé, tu vas pas. On va pas quitter. Il va pas rentrer chez lui ou bien. Alors, on va te demander ton mot de fin. Hein? Quel est le message que tu peux lancer à tes fans aujourd'hui qui te suivent partout dans le monde? Oui, je vais dire mes fans que je m'appelle Congélateur Didier, le couleur de Yorobo. 14-18 ans. Si ils l'aiment trop d'Aïchi, ils n'ont qu'à l'aimer moi. Ils n'ont qu'à suivre moi chaque jour, bénir les familles, souhaiter ma mère vie pour eux. Qu'ils disent qu'ils n'ont qu'à les bénir eux. Voilà. Si il n'y a rien pour donner et d'en fait là, c'est qu'ici, il prend Dieu pour dormir à terre. Il faut aimer pour une âme assez. Il prend Dieu pour dormir et à terre. Voilà. Donc il n'a qu'à suivre derrière moi. Très bientôt, moi j'ai créé mon limon entier. Le monde ça là, il faut partir, il va partir. Et puis mon limon entier va venir. C'est quel monde qui a parti? Quel monde qui a parti pour toi? Quel monde qui a venu? Le monde d'Aïkon. Hein? Le monde entier d'Aïkon. Le monde de quoi? D'Aïkon. Ça, c'est quel monde, ça? Tu m'appelles Daikon. Arafat s'appelle Daichi. Donc, moi, il m'appelle Daikon. Donc, toi, tu as fait aussi ton monde bien. Hein? Ouais. Mon monde qui va venir, là. Tout ce. Daikon. C'est monde de Baoulé. Ah! Pas... moi, ici, Baoulé. Non, toi, tu es une nouveau Baoulé. Hein? Donc, toi, ton monde, il y a Baoulé sur moi. Il n'y a pas d'autre de Tini. Non, il n'y a pas de Tini dedans. Mais quand tu l'as dit, c'est dans quoi, même? Non, il pense pas mal. Il y a ton monde là, hein, il doit avoir tout le monde dedans. C'est pas que Baoulé, il doit avoir voilà, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Mais congélateur. Voilà, Doula est dedans. Congélateur. Tout le monde est dedans. Pas dit, c'est pas mais vous connaissez pas moi. Vous y a pas et puis moi ici. Non, mais toi, tu as déjà dit que ton monde va venir. Donc, on sait que tu n'es pas dans le monde sale en tout cas. On ne t'attend pas même ta ça. Oui. Ça là. Tu sais, le comportement de congélateur n'est pas bon. Tu sais pourquoi? Parce que il dit qu'il va créer son monde Baoulé. Non, c'est Dieu qui va créer. Attends. Dieu, tu as créé ton monde Baoulé. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Dieu, il m'a déjà dit moi. Il s'est dormi à Abidjan là-bas, il m'a dit moi. Il a venu sur moi. Donc, dans ton monde Baoulé que tu as créé là, c'est lunettes, et manteau et puis godas, là, c'est ça qu'on portait. Oui, c'est ça que vous avez porté. Pourquoi toi, tu t'habilles pas comme les tradis modernes, les Nguez, bon sens, les John Jongo, c'est autre là? Toi, pourquoi tu t'habilles comme ça? Moi, il est bien comme Nguez, bon sens. Avant ou maintenant? Nguez, bon sens là, c'est mon vieux mot. Oui, mais ce Salek Baoba, habit qui porte pour chanter au village, est-ce que toi, tu peux t'habiller comme ça? Non, moi, je peux habiller ça. Paye n'est pas venu à mon nouvel habit là. Si elle est venue là, toi, c'est carreau, coin, et puis c'est bien pimenté, coin. Aïe, c'est bien pimenté, coin. Merci, on a compris, c'est bon. Alors, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Ce fut un réel plaisir pour tous ceux qui nous ont suivis ce Farafa de cette nouvelle année, le premier Farafa de l'année. Moi, je vais parler un peu. Encore? Non, on n'a plus le temps. Mon film est là. Hein, mon clip là. Hein, fait. Donc, population de Ivoire TV Musique, à tous ceux qui ont le monde entier,
à Paris, au Maroc, au Blanc, chez Paris le Nord, Paris le Nord. Tout le monde, on a croisé à Abidjan pour faire clip ensemble. C'est moi qui dis quand il parle. Voilà. Et puis salut tous les présidents, tous les ministres, tous les présidents, tous les présidentiels. Que je souhaite ma mère vie pour eux. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse pour surveiller la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous donne inspiration. Voilà, c'est moi quand j'attends, il parle. Voilà. C'est Daikon, le présentant de Daichi. En saluant les ministres, là, tu cherches quoi? Ils n'ont qu'à te donner un peu d'argent, bien sûr. Ouais, donnez-moi voiture. C'est ce qu'ils ont fait à l'opère d'Aloa là, tu n'as pas vu ça. Qui est l'opère d'Aloa là? Toi tu connais personne finalement, hein? Moi il salue le père d'Aloa. Ah. Il salue le bord d'Aloa. Et puis il salue papa Abba Champion. Et puis il salue mon DJ. Mon DJ, ça fait quoi? Ça nous tu as demandé. Mon DJ, tu as dit salut mon DJ. Nous on était dans ça là, vous. Et ça fait quoi? Ça nous tu as demandé. Bon, pardon. Mon DJ. C'est pas toi qui t'avais Pourquoi? Il salue mon DJ Pourquoi? Mon DJ d'Abidjan. Même Pourquoi, tu as oublié son nom. Est-ce que Pourquoi sera contacté? Toi, Baoulé a réussi, c'est pas Baoulé, toi, t'as réussi, t'as réussi, t'as Pourquoi? Mon DJ, oh, il s'appelle comment même? Ton DJ d'Abidjan là? Oui. Bon, comme nous, on ne le connaît pas, on ne peut pas savoir. Il s'appelle Président Serator. Il salue Président Serator. Il salue les boss Abba Champion. Président Serator, c'est ton DJ? Non, c'est pas mon DJ, c'est mon parrain. Ah, et puis salut monsieur Léjou, voilà, Abba, Didier. Donc Abba Champion, si tu sais. C'est Didier, monsieur Léjou, okay, tu es mon Didier. Ok, big up Abba Champion. Et salut toi, monsieur Léjou, et salut Didier Éternel, c'est mon Didier de Boaké. Et salut à tous ceux qui rangent mon son, tous ceux qui suivent derrière moi, tous mes fans, et bénis leurs familles. Et c'est ma mère V, pour cette année, n'a qu'à trouver et chaque jour. Mais abonnez sur ma page chaque jour, et n'a qu'à voir 60 millions 40 vides, voilà. Faya aller là, c'est me fait connu. Et bénit tous les corps de la Côte d'Ivoire. Et salut, c'est moi quand j'attends Didier. On a ça. Merci. La Ivoire TV Musique. Tous ceux qui sont dans Ivoire TV Musique, Dieu bénit. C'est ma mère veut pour vous. Dieu vous garde, Dieu vous protège. C'est moi quand j'attends Didier. Merci Didier Congélateur. Alors, notre émission qu'on fait maintenant. Remerciement, merci. Ouais, tu as dit non, la photo c'est déjà prise. Ça c'est Yorobo. Ça c'est Yorobo. Voilà. Ça, ok. C'est Daichi, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Tu salues qui? Tous les parents de mon DJ Yorobo. Et salut maman Tina Grab. Et salut comme 7500. Et salut Badro Escobar. Voilà tous les éléments de Yorogang. Et salut et souhait ma mère. Mais j'ai dit, est-ce que toi tu n'es pas un peu comme le père d'Aloa même? D'Aloa là, c'est qui? Après, il va ramper ici, on le connaît. On va commencer à ramper. Il le connaît, mais il ne connaît pas. Ah. Bah, là, il se couche maintenant, il ne rampe plus. Hein. Il va le coucher. Ah, ok. Il va te coucher. Alors, merci, mesdames et messieurs, l'émission prend fin maintenant. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. C'était le Fafa avec DJ Congélateur. Big up à Kangala le berger. Big up à Ange Bleu le cultivateur. Big up à la boutique chez Kra. Déjà ouvert en ce moment. Big up aussi à Kevin, le printemps de la mode. Big up à tous et à toutes. À Pobilou. Et c'est ma mère pour eux. Voilà. Mais fais pas le français, il y a les gens qui suivent, qui écoutent français. Ouais. Ah. Les gens font sur moi. Si elle grandit pour aller en haut, elle grandit pour aller en bas. Voilà. Et si votre fils. Voilà, Apo Binou. Voilà, tout n'a qu'à prier Dieu pour moi. Moi, voilà. Moi aussi, prier Dieu pour vous. Pour pas le diable, il va gâter nos familles, nos parents. Et souhaite ma mère veut pour donner maman, mon propre maman, maman Mao Elisabeth, avec tout son enfant, il est béni. Et maman, si il n'a rien pour donner à toi dans la fête, là, faut pas fâcher. Toi, tu as pris tout ton argent pour aller payer veste en cuir, tu n'as rien donné à maman. Oui, il a payé ça à la body. Merci, merci DJ Congélateur. Alors, voilà. DJ Congélateur, merci, on a reçu toutes les salutations. Tous les Abidjan, tous les petits filles d'Abidjan. Voilà. Mais DJ Congélateur, tous les petits filles d'Abidjan. C'est ton émission, bien, c'est notre c'est émission. C'est pas ton émission, tu as fini, c'est fini. C'est fini. Salué le monde entier. Mon petit fille d'Abidjan, là, est tout dans l'école, là. Voilà, donc il est béni. Je vais aller manger à l'école. En moni, ce qu'on dirait, en wosoku, faut pas prendre affaire de garçon pour taper ta main bête. Voilà, merci tous les élèves de la Côte d'Ivoire. C'est moi quand j'ai atteint. Si il y a souhaité, bonne année pour vous. Joyeuse et bonne année à tous les élèves de la Côte d'Ivoire. Les maîtres que vous j'ai montré, Dieu vous bénisse les maîtres là. Les maîtresses, les maîtres, tout, et c'est ma mère. Et mon ventre me fait mal. Mais ton ventre va te faire mal si depuis là tu parles, tu finis pas. Je bois l'eau et puis un mélange avec boisson. Petite boisson quoi.
C'est ça, ça te fait mal. Ah, mais depuis là, tu as été bavardé sur moi, ça va te faire mal. Oui, qui trouve. Mais si tu es inspiré. Mais si tu es inspiré, tu n'as pas envie de crier. Mais si il voit tes venusies, donc essayer de cirer. Alors là, tout le monde me voit. Ouais. Donc, tu dois déjà faire ça. Il voit tes venusies là. Même les gens sont partis là-bas, mais on te voit. Aïe. C'est pas musique, c'est pas... C'est pas petite chaîne de télé, c'est hein. Pas petite chaîne de télévision. C'est pas petite quoi? Chaîne, c'est une vraie chaîne. Bon, ok, DJ Conjurateur, on a bien compris tout tes big up. L'émission tire à sa fin maintenant. Voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent. Surtout, sortez couverts. Voilà, grâce à Dieu. Congélateur. Et c'est ta maman. Congélateur. Il a maman. Congélateur. Et c'est ta maman ou bien? Ton merci finit pas. Son merci finit pas. Ah. Ça suffit. Quand il pense à sa vie encore. Quand il pense à sa vie. Ton merci finit pas. Et le merci à toutes les chaînes de Côte d'Ivoire. Chaîne, quoi? À radio chaîne, télévision chaîne, toutes les chaînes. Merci. Mais de m'énerver ou bien de t'asseoir. Non, mais faut attendre. Laisse-moi finir de parler, puis tu vas te dire, assieds-toi. Voilà, faut te parler. Laisse-moi finir. Voilà. Alors, merci. Il était comme là, ici, froid. Congélateur, il n'arrête pas avec son merci ne finit pas. Big up à tous ceux qui nous suivent. Merci pour ceux qui continuent de partager. Première édition, alors, Ivoire TV, Fafa, merci à ça tous. Dans mon cœur. Et surtout, sortez couverts. Et comme on vous l'a dit dès le départ, bonne heureuse année à tous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse tout au long de l'année. Parce qu'il y aura encore beaucoup de rebondissements et de très belles émissions pour vous faire plaisir. Merci